Oui, 1 minute pour vous parler d'un sujet qui va peut-être apparaître mineur. 3 milliards d'euros, c'est ce que le Parlement européen ne peut pas contrôler depuis 2009, tout simplement parce que la Commission et le Conseil se renvoient la balle dans un jeu de ping-pong. Le Conseil refuse de donner ses comptes au Parlement européen et la Commission refuse d'intégrer dans ses propres comptes le budget du Conseil. Donc nous sommes dans l'incapacité, nous, parlementaires, de pouvoir contrôler les comptes à un moment où la transparence et le besoin quand même d'information apparaît plus que nécessaire. Alors la commission des affaires constitutionnelles profite de la présence et de la commission et du Conseil pour leur demander quand même d'essayer de se mettre d'accord et de discuter avec le Parlement européen pour que cesse cette situation absolument ridicule sur un plan juridique et scandaleux sur un plan économique, à savoir que les comptes du Conseil échappent à tout contrôle budgétaire.